Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. Bonjour, je suis Stéphanie du Féminiprix à la Valtrie. Je suis guide santé chez Féminiprix. Aujourd'hui, on va parler des bonnes habitudes de vie. Premièrement, pour avoir de saines habitudes de vie, c'est d'avoir une bonne alimentation, c'est de prendre de l'alcool avec modération, c'est de ne pas fumer, c'est de bouger un petit 30 minutes par jour, aller prendre une petite marche dehors aussi pour prendre de l'air, ça fait du bien. Et par la suite, c'est de bien dormir et de faire travailler nos ménages aussi en faisant des mots croisés ou des sudoku. Ça aide beaucoup. Les médicaments sont parfois nécessaires malgré l'adoption de saines habitudes de vie. Moi, je m'appelle Mélanie. Je suis pharmacienne propriétaire au Féminiprix à la Valtrie. Je vais vous parler aujourd'hui qu'il est important de bien prendre vos médicaments. Bien prendre ces médicaments, c'est-à-dire suivre la posologie prescrite ou recommandée sur l'emballage. Si vous éprouvez la difficulté à bien prendre vos médicaments, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien. Nous sommes là pour vous aider à trouver une solution. Nous pouvons vous proposer plusieurs alternatives. Nous pouvons tout simplement changer la formulation de votre comprimé pour passer sous forme liquide pour faciliter la prise de celui-ci. Nous pouvons vous offrir un coupe-pilule pour couper votre comprimé si le comprimé est trop gros pour avaler. Nous pouvons vous offrir même un service de mise en pilulier sur lequel vos médicaments vont être positionnés selon le moment de prise de la journée et servis à la semaine normalement. Nous pourrons vous donner des petits trucs pour diminuer les effets secondaires. Et si tout ça ne fonctionne pas, nous pourrons même communiquer avec votre médecin pour lui proposer une alternative de traitement. Ayez en tout temps avec vous une liste de médicaments à jour et soyez fidèle à votre pharmacien afin de faciliter la prise en charge de votre dossier pharmacologique. Bonjour, je voulais savoir quoi faire avec nos restants de médicaments que des journées, des fois, on ne les prend pas, là, fait que là, on ne sait pas trop quoi faire avec. On ne sait pas trop les reprendre plus tard, là, fait que dans ces amis, des fois, ça change, fait que c'est ça que je voulais savoir. Tous les médicaments ont une date de péremption. Tout ce qui est en sous-ordonnance, les médicaments en vente libre, les produits naturels et homéopathiques ont toute une date aussi dessus. Par contre, quand on les ouvre, c'est autre chose. Tout ce qui est gélules, comprimés et sirop, c'est bon un an après l'ouverture. Tout ce qui est onguent et crème, c'est 3 mois. Et tous les médicaments pour les oreilles, les gouttes pour les yeux et tout ce qui est pour le nez, ça c'est 1 mois. Si vous faites le ménage de votre pharmacie, qu'il faut faire assez souvent par rapport aux dates de péremption, on a ici qu'est-ce qui pourrait vous aider, un petit site avec un petit sac que vous pourrez rapporter vos médicaments en tout temps à la pharmacie. Ils sont toujours détruits d'une façon sécuritaire et conforme. Ça va nous faire plaisir de les reprendre. Et pour tous ceux qui sont diabétiques et qui ont des injections à tous les jours, on a des petits bacs jaunes ici au laboratoire, en pharmacie, qu'on peut vous donner, ils sont gratuits. Vous mettez vos aiguilles dedans, vous les refermez, vous les rapportez à la pharmacie et nous, on les détruit d'une façon sécuritaire et conforme. Salut Steph! Salut Gilles, ça va? Ben oui, toi? Oui. OK, je m'en viens te voir parce que je me suis coupé cette semaine. OK. Et puis, ça n'a pas l'air à vouloir guérir, ça fait encore mal. OK. Fait que si je mettrais du peroxyde dessus... Ah, ben non, mais pas du peroxyde là-dessus. Ah non? Ça, c'est des anciennes croyances que les gens pensent de mettre du peroxyde pour nettoyer la plaie, okay. Puis de la laisser à l'air pour qu'elle sèche puis qu'elle guérisse plus vite. OK. Fait que dans le fond, je te dirais, est-ce que tu l'as nettoyé très bien avec de l'eau puis du savon à la non, maison? Non, juste de l'eau. Non, OK. Fait que je te dirais d'y aller avec une petite eau saline, comme ça. OK. Pour nettoyer comme il faut ta plaie. Sinon, tu as le petit tampon antiseptique qui va vraiment désinfecter ta plaie. OK. Puis par la suite, on pourrait y aller avec une petite compresse non adhérente comme ça, que tu vas toujours garder sur ta plaie. Puis okay. Tu vas venir le couvrir avec un petit pansement comme ça qui va coller par-dessus. Pour tout le temps la garder humide, ta plaie, elle va guérir plus vite. Bon, c'est parfait. On y va avec ça. Vous connaissez probablement le dicton « mieux vaut prévenir que guérir ». Ce dicton se lie parfaitement à la vaccination. La vaccination, c'est vrai, ça ne protège pas à 100%, mais ça diminue de grandement le risque de contracter certaines maladies. Et si vous la contractez, vos symptômes seront moindres et dureront moins longtemps. Pour votre groupe d'âge, donc pour les 60 ans et plus, je recommande fortement 4 vaccins. Le premier est la vaccination contre l'influenza,
la grippe, qui se caractérise par un virus donnant de fortes douleurs musculaires et de la fièvre. Le deuxième est la vaccination contre le pneumocoque, surtout pour les gens sensibles aux pneumonies, pour les patients asthmatiques ou pour les patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Le troisième est la vaccination contre le zona. Le zona est une maladie qui se caractérise par une réactivation de la varicelle lorsque le système immunitaire est affaibli. Il donne de fortes douleurs neuropathiques qui peut persister des semaines, des mois ou même à vie. Et le dernier, mais non le moindre, est la vaccination contre le tétanos. On l'oublie souvent, le tétanos doit être renouvelé régulièrement à tous les 10 ans et peut se contracter lors d'une morsure par un animal ou lors d'une blessure avec un objet contaminé par de la saleté, de la poussière ou de la terre. Donc pensez-y, vaccinez-vous. Bonjour Stéphanie. Salut Marcel, ça va? Ça va bien. J'aimerais avoir une information concernant la conservation de mes médicaments à la maison. C'est-tu bon de les garder dans la pharmacie? Dans la pharmacie, dans la chambre de bain? Non, c'est vraiment pas bon de garder ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils sont à l'humidité. Fait qu'il faut que ce soit à l'abri de l'humidité. Fait que dans la chambre de bain, il y a beaucoup d'humidité quand on prend notre bain et notre douche. Il faut que ce soit à l'abri de la lumière. Il faut que ce soit à l'abri d'une chaleur excessive ou du gel. Puis toujours à l'abri des enfants et des animaux. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, Carmen. Bonjour, Mélanie. Comment je peux vous aider aujourd'hui? J'aurais une question pour toi. Oui. Si on change mes médicaments, puis que le pharmacien marque dessus, aujourd'hui, c'est du générique. Pourquoi qu'il a le droit de faire ça au lieu de me donner l'original? En fait, quand un médicament sort, il est breveté, et par la suite, après un certain nombre d'années, il y a des compagnies génériques qui peuvent copier la molécule. Évidemment, une fois que la compagnie a copié la molécule, ça a des tests au niveau de Santé Canada pour approuver la même efficacité. Okay. Donc, c'est sûr que si vous changez pour le générique, ça va avoir la même chose en termes d'efficacité. Par contre, au niveau des effets secondaires, ça se peut que ça soit modifié. Étant donné qu'ils n'utiliseront pas le même diluant ou le même colorant, ça peut changer au niveau de l'effet secondaire. OK. Est-ce que vous désirez que je vous le change? Le générique est quand même beaucoup moins dispendieux et souvent engendre pas d'effets secondaires comme l'original. Ça vaut quand même la peine de l'essayer. Ça veut dire que pour nous, les gens plus âgés, le gouvernement va nous payer du générique au lieu de nous payer l'original. En effet, puisque le générique est moins dispendieux, le gouvernement va couvrir le générique seulement. Okay. Si vous souhaitez avoir l'original, vous allez avoir à débourser un montant supplémentaire pour l'obtenir. OK, parfait. Mais là, tu viens de répondre à ma question. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Passe une belle journée. Vous pareillement. Bye. Bye-bye. Bonjour. Comment Bonjour, je peux vous aider aujourd'hui? Moi, j'ai une information. Je prends beaucoup de médicaments. Puis je me demandais, ils ont été tellement bombardés par toutes sortes d'informations sur les produits naturels. Puis je me demandais si c'est compatible avec les médicaments que je prends. C'est une excellente question que vous posez. C'est souvent une question que les gens se posent. C'est super important que vous faites comme vous faites aujourd'hui. Venez voir votre pharmacien parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui peuvent interagir avec les produits naturels. Et les produits naturels peuvent être contre-indiqués selon certains problèmes de santé. Avez-vous une demande particulière pour aujourd'hui? Bien, mettons que des fois, les médicaments ne font pas tout le temps le soulagement qu'on veut. Est-ce qu'il y a un produit qui fait soulager les jambes, les problèmes musculaires ou... Bien oui, certainement. Venez avec moi, je vais aller voir. Bonjour. Bonjour. Quels sont les essentiels que vous avez dans votre pharmacie à la maison? Si tu savais comment j'ai pas grand-chose dans ma pharmacie à la maison... Une mini-bouteille de Tylenol, au cas. Une mini-bouteille d'Advil, au cas. C'est tout. Est-ce que vous savez quoi faire de vos vieux médicaments qui sont périmés ou des surplus que vous avez déjà eus? J'aurais été les porter à la pharmacie. Pour être prêt aux principaux imprévus, il est important d'avoir une pharmacie de base à la maison. Premièrement, le premier item à avoir est évidemment un thermomètre. Le thermomètre, la température peut être prise à différents endroits. On peut prendre la température au niveau du front, au niveau des oreilles, au niveau de la bouche, au niveau des aisselles ou au niveau du rectum. Évidemment, un thermomètre est approprié pour chaque endroit et la température habituelle est différente, tout dépendamment de l'endroit également. Le deuxième item est le Tylenol. Le Tylenol est l'analgésique à avoir de base à la maison pour contrer la fièvre ou tout type de douleur, que ça soit musculaire, arthritique ou tout simplement un maux de tête.
Par la suite, si toutefois vous avez de la nausée ou des vomissements, il est important d'avoir à la maison du Gravol. Le Gravol est un médicament qui peut engendrer un petit peu de somnolence. Donc attention si vous avez besoin de travailler ou de sortir pour prendre le véhicule. L'autre produit est l'Imodium, un antidiarrhéique. Ce médicament est important d'être pris seulement si vous n'avez pas de sang dans les selles et si vous ne présentez pas de température. Sinon, vous devez voir votre médecin. Ce produit doit être utilisé pour un maximum de 48 heures. Sinon, allez voir votre pharmacien. Évidemment, si vous avez de la diarrhée ou des vomissements, vous êtes à risque d'être déshydraté. Il est important d'avoir à la maison la recette maison pour la réhydratation ou, tout simplement, une bouteille déjà prête à utiliser ou des sachets que l'on peut diluer dans l'eau pour contrer les électrolytes perdus lors des vomissements et de la diarrhée. Si vous avez une période de diarrhée ou si tout simplement vous avez de la difficulté à régulariser vos selles, ayez à la maison des probiotiques. Les probiotiques vont permettre de refaire votre flore intestinale pour régulariser vos selles et renforcer vos intestins. La prise de probiotiques doit être prise pour un minimum de 15 jours pour avoir un effet bénéfique. Par la suite, vous devez avoir du Benadryl à la maison aussi. Le Benadryl est un antihistaminique qui va stopper tout type de réaction allergique, que ce soit cutanée ou tout simplement respiratoire. Il va engendrer de la somnolence également aussi, donc attention évidemment. Vous avez également une petite crème de cortisone. La petite crème de cortisone est une petite crème qui va permettre de diminuer au niveau de la peau l'inflammation, la rougeur ainsi que les démangeaisons. Vous pouvez l'appliquer tout simplement sur une petite plaque de peau sèche ou sur une piqûre d'insecte. Il est important également, lors d'un gros repas copieux, des fois on a un petit peu de brûlement d'estomac ou on peut avoir un petit peu de reflux. On doit avoir à la maison un antiacide de base, le TUMS, bien connu par la majorité des gens, pour diminuer l'acidité de l'estomac. Parfois, on peut avoir de la constipation. Avec l'âge, les intestins deviennent un peu au ralenti et la constipation est souvent fréquente. Le produit de base à avoir est le Lax-D. C'est un laxatif très doux qui permet juste de créer un mouvement régulier dans les intestins. Par contre, si ça fait 5 jours que vous n'êtes pas allé à la selle, ce n'est pas un bon choix pour vous. Et c'est un laxatif que vous pouvez prendre sur une base régulière et qui ne rendra pas paresseux vos intestins comme plusieurs autres laxatifs. Et le dernier produit, je crois qu'il est important d'avoir à la maison, est un petit gel pour brûlure. Il arrive à tous de prendre un chaudron sans avoir mis une mitaine de four. Évidemment, le gel pour brûlure va limiter la formation de cloches. Donc, regardez à la maison si vous avez l'ensemble de ces produits. Sinon, allez vous les procurer. J'espère que tous ces conseils qu'on vous a fournis aujourd'hui vous aidera dans votre vie au quotidien. Et si toutefois, vous avez d'autres questionnements, n'hésitez pas à aller en pharmacie et demander à votre pharmacien.